Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo des situations, comme d'habitude pour me contacter sur MSP les situations, sinon par mail pour les screens dans la barre de description. Et bien écoutez, pour le premier screen, je pense que là il n'y a pas photo, vous avez remarqué qu'il y a un petit souci au niveau des boobs, des bobsies de monsieur, hein. Bah pourquoi pas, moi je suis pour la diversité, hein. Moi ça me dérange pas les hommes avec les nénés. Mais là, clairement, c'est un bug. Lorsque j'ai reçu ce screen, j'ai galéré à savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe sur ce screen? Effectivement, si vous regardez bien ici, je crois qu'on appelle ça ces trucs de quiz, je crois. Lorsque vous allez dans les salons, vous pouvez gagner des starcoins en faisant les quiz, les machins, ramassant les starcoins. Et là, c'est vrai que la couleur, elle est assez chelou parce qu'en fait, c'est un sort de vert turquois bleu, enfin, je sais pas trop, émeraude, couleur émeraude, on va appeler ça comme ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est la première fois que j'ai reçu ce screen de bug, donc je me suis dit que j'allais vous le partager. Là on peut constater que la movie star en bas à gauche, elle n'a pas de VIP, elle n'est pas star VIP, elle n'est pas VIP tout court en fait. On voit bien qu'il n'y a pas le petit symbole. Et lorsqu'elle va sur le forum, eh bien, elle a l'encadrement doré. Donc techniquement l'encadrement doré c'est uniquement pour les personnes qui sont VIP. Voilà. Ici ça me fait penser à un bug que je vous avais parlé de la dernière fois, comme quoi, enfin il y avait un screen dans je crois deux ou trois vidéos situation plutôt, qui parlait d'un haut qui coûtait des diamants mais qu'on pouvait acheter gratuitement si on le mettait dans la liste des souhaits. Là il y a un haut apparemment, lorsque vous le mettez dans votre liste de souhaits, il apparaît à 0 starcoin, mais ce haut je l'ai déjà vu pas mal de fois. Faudrait essayer, faudrait tester ce haut pour voir si c'est vraiment un bug juste visuel ou effectivement on l'achète à 0 starcoin. Il faut aller voir, il faut aller tester. Cette image, elle est juste dingue. Elle est dingue. Parce que la personne qui me l'envoyait a dit bah, qu'elle faisait seulement le tour des chambres pour les pet-pets en fait. Et elle s'est retrouvée avec une armée de elle en fait. Une armée de clones. C'est trop chelou. Mais regardez, il y en a genre plein. C'est ouf, c'est trop ouf. Bon, il y a un petit souci de teinte. Hein. On passe quand même de cette teinte-là. Hein. Voilà. A priori, sur ce screen, rien de particulier, pas de bug. Et là, on voit quoi? On voit une quinzelle YouTube qui écrit OK. On voit une movie star planète. Pour OK. Par contre, bon, je pense honnêtement que Stranger Mama a dû s'amuser avec les scripts de la page, mais je trouvais ça quand même rigolo. Situation chelou et drôle, ça m'a déco, et au même moment, je devais aller manger. J'ai 5 minutes à manger, je me suis reco et moins que tu es. Et moins que fait. Et mon que fais-tu, je pense, a changé. C'était ici 15L, le Babybel. Et bizarrement, j'étais VIP une semaine. Normal, alors que j'étais pas VIP. Bref, sinon, je t'adore. Ça s'était passé, je sais plus quand, sur un ancien compte. Bah écoute, c'est cool, mais ce n'est pas moi. Hein, si, au cas où, hein, ce n'est pas moi qui t'ai mis le VIP. Je pense que ça doit être une de tes connaissances. Coucou 15L, j'ai vécu une situation chelou et un peu traumatisante envers les gars de MSP car j'étais dans une salle de chat et un gars me dit que je suis trop belle et après il fait que me demander en petite amie et je refusais et il me disait ah mais pourquoi tu me refuses et tout, donc je lui ai dit d'arrêter mais il me dit mais t'es belle, tu mérites de sortir avec moi, donc tu dois sortir avec moi, donc je l'ai bloqué mais il se refaisait des comptes et me demandait en petite amie et ça m'a saoulé, donc j'ai bloqué et signalé tous ses comptes. Donc ça m'a dégoûté des mecs, voilà, bye 15L. Alors tu as très bien réagi hein, également de ne pas réagir à ces messages et de directement le bloquer avec tous ces comptes. Bon par contre juste un petit message comme ça aux garçons qui regardent la vidéo, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tous les mêmes. Hein. Donc bon j'espère quand même que la danseuse de MSP, tu es quand même retombée après sur des garçons un peu plus sympas parce que je pense que bon... certes, il y a des garçons relous, mais aussi des gars qui sont très sympas sur Movistar Planet. Je me faisais une joie d'atteindre mon niveau 10 sur un compte, et là, bien sûr, je me dis que je vais avoir un rare de pack. Puis je passe le niveau, mais rien. Mais bien sûr, rien ne se produit. Je me dis que c'est un bug, je décoroco, mais rien ne se passe. J'ai toujours pas eu les cadeaux, peut-être devrais-je atteindre le niveau 11. Non, normalement si tu l'as pas eu au niveau 10, je pense pas que tu l'auras au niveau 11. Par contre, sinon je peux t'inviter par exemple à aller voir dans tes affaires. Peut-être que tes trois cadeaux du niveau 10 sont parus dans ton inventaire.
faire avec les couleurs de base, peut-être qu'ils sont dans ton inventaire, regarde bien dans ta garde-robe si t'as des nouvelles à faire. Mais sinon là franchement je sais pas quoi te dire à part ça. La deuxième situation c'est que j'avais un compte, mon tout premier, un jour je me suis dit allons voir comment sont mes anciens comptes et le pseudo n'est plus le même, pourtant mon compte c'est bien celui-ci, je ne comprends pas du tout pourquoi, et sur un de mes anciens comptes il s'est passé la même chose. Le plus ancien Monster Height et l'autre Star Love Friends, voilà pour mes deux situations. Mais du coup ils se sont renommés en quoi? Parce que tu dis qu'ils ont changé le pseudo. Mais du coup c'est passé de quoi à quoi? Parce que peut-être que ça ne correspondait plus à Movie Star Planet, aux critères Movie Star Planet, je sais pas. Peut-être que c'est eux, je sais pas. Là par contre je sais pas, aucune idée. Je sais pas si c'est une situation, mais lorsque tu écris fr. Alors je crois que c'est exactement pareil, MovieStarPlanet.com, sans les X bien sûr, et bien tu as tiré sur un serveur sans nom. En plus de ça, parfois quand tu te co, eh bien il y a Anonymous dans la page d'accueil, c'est hyper chelou, et en plus de ça dans les chats, il y a des gens chelous. Bah j'irai voir ça, je testerai. Nous avons reçu un message très intéressant de l'astronaute. Bonjour, il y a quelques années, je suis arrivée sur la planète Movistar, envoyée par la MASA, à la recherche d'une vie intelligente. Bon bah je crois que vous allez pas trouver ce que vous voulez ici, l'astronaute, hein. Me voilà perdue sur une planète complètement bizarre pour moi, les personnes ici ne mangent pas, ne dorment pas, ne s'hydratent pas, et n'ont pas de travail. Mais pourtant ils trouvent des sous pour s'acheter des vêtements, des mouvements, qui l'aurait cru? Acheter des mouvements? Sur la planète d'où je viens, nous avons bougé dès notre naissance. Ah j'adore. J'aime bien le pour moi, les personnes ici ne mangent pas, ne dorment pas, ne s'hydratent pas, ça me fait rigoler. Et pendant qu'on y était, il manque plus que ne se lave pas. J'ai du mal à m'habituer à cette vie, je ne sais comment retourner dans le monde réel. Je suis bloquée dans cet écran, je passe mes journées à essayer de trouver des amis, à passer des niveaux limite impossibles. Ma planète est beaucoup mieux, mais j'arrive pas à me sortir de cette planète. Voilà ma situation bizarre, je reste bloquée dans un monde imaginaire où des gens prennent ma peau sans me demander mon avis et donnent mes vêtements à d'autres sans y être d'accord. De nombreuses personnes sont en groupe, clan, secte, mais nous ne pouvons pas y entrer. On peut se sentir écarté de toutes ces autres personnes, mais je préfère cette planète à ma planète d'origine. Explique-moi pourquoi. Tu veux savoir un secret? Toutes les movie stars se réunissent lorsque les gens qui semblent nous contrôler partent pour dormir. Oh mon dieu, les movie stars se réveillent la nuit. Manger ou sortir, on se met tous dans une salle et nous discutons tous ensemble. Alors quand la personne qui s'occupe de moi est connectée, personne vient me parler, nous parler, alors que nous sommes tous des amis. Je vais partir de cette planète dans quelques jours. Mon vaisseau va repartir dans ma planète, qui s'appelle Terre, ou sinon autrement dit, vie réelle. Au revoir. Ok, on a eu un passage d'astronaute, donc j'espère que depuis l'astronaute, tu as pu retourner sur ta planète. Merci pour ton... Limite, elle a fait un documentaire, en fait, sur sa vie sur Movie Star Planet, hein. Mais on a pu quand même voir, faites attention à vos Movie Star. Faites attention, parce que la nuit, lorsque vous allez dormir, vos Movie Star, elles, ne dorment pas. Coucou 15A, j'ai une situation, c'est qu'un modérateur m'a demandé en ami. J'ai accepté, il m'a dit que j'ai gagné le lot à 50k StarCoin, et donc j'ai dit cool. Mais sauf à la place du t-shirt, il m'a offert un t-shirt noob. C'est juste triste. Comment il t'a trollé. Quand je lui ai fait croire que mon père jouait à MSP, il m'a donné le haut. Sauf que le haut à 50k StarCoin, bah en fait, je l'ai offert, et depuis, j'ai plus de haut à 50k StarCoin. Voilà, j'espère que tu vas me répondre. Et bah ma pauvre. Mais bon, je pense que déjà, c'est pas un vrai modérateur, c'est quelqu'un qui se fait passer pour un modérateur qui t'a dit que t'avais gagné, parce que bon, je pense pas qu'un modérateur réel aurait fait ça. Un jour, j'étais sur MSP, là, je me suis fait piracher d'un coup, donc j'avais plus de diamants ni de StarCoin, donc j'étais dans la chambre de Poupini pour faire essayer les pet-pets. J'étais beaucoup énervée, et en plus, je faisais que de bugs. Donc le pet-pet ne voulait pas se laisser caresser, je pense mordir, donc j'ai cliqué plein de fois dessus, j'étais vénère, et là j'ai vu plein de StarCoin, oh my god, alors que normalement on peut cliquer qu'une fois sur le pet-pet. MDR, je pense que j'ai trop cliqué dessus, du coup bah ça a bugué, MDR. Donc je me suis dit, tiens je me décore au co vu que je bug, et là plus rien, MDR, c'est ça un bug MSP. Le bug s'est passé sur mon compte principal, donc je pense que ouais, à ce moment-là le jeu devait être très surchargé. Et vu que t'as cliqué plein de fois dessus, t'as réussi à faire un bug et t'as pu avoir plein de StarCoin. Donc tant mieux pour toi, j'espère que ça se reproduira encore plein de fois pour encore plus de StarCoin. Ouloulou, je pense que c'est une situation paranormale. Salut 15 à la situation bug, je parle avec une pote à moi et je laisse l'ordinateur allumé, le temps d'aller aux toilettes. Et là je reviens et le clavier ne bouge pas, mais ça écrit tout seul, ça écrit
j'ai peur. Et pour moi, c'est j'ai peur. Et là, une fille me dit coucou, ça va. Je dis oui. Il a dit je suppose que ton clavier écrit encore tout seul. Et là, je dis comment tu sais? Je ne l'ai dit qu'à ma pote. Et elle dit tu es sûre que ça va? Je dis mais oui. Enfin, en fait, non. Elle dit c'est ton clavier. Je dis tu sais comment? Et elle ne rep donc, je dis coucou, elle dit coucou, et je dis tu rep ou quoi? Elle a dit bah dis la question, je lui redemande comment elle sait, et elle ne rep pas, son pseudo c'est Loane la plus belle ou la plus belle Loane, et donc je la bloque, et 3 jours plus tard ma pote dit tu sais Loane la plus belle c'est moi, désolé si le message est long, je t'aime, je ne savais pas quoi dire, donc et bah j'ai dit ça, mais c'était il y a longtemps. Ouais, donc je pense qu'elle a dû prank, tout simplement, bah, parce qu'elle a même avoué que c'était son compte. Coucou Quinzel, en fait ma situation c'est qu'il y a quelqu'un qui veut mon pass, je lui ai dit non mais elle a continué. J'allais la signaler mais elle a dit que si je la signale bah, elle va tuer mes parents. Du coup je sais pas quoi faire, est-ce que tu peux m'aider en urgence? Alors bah désolé hein, parce que si c'était une urgence c'est un peu raté hein, 2 mois plus tard que je réponds. Mais je réponds quand même pour les personnes qui, enfin si tu es encore dans cette situation 2 mois plus tard ou pour les personnes qui seront dans cette situation parce que ça peut arriver que certaines personnes menacent pour obtenir votre mot de passe ou vous demander des affaires. Il ne faut absolument pas céder parce que bon ça commence par un mot de passe puis après elles vont continuer à vous harceler en vous demandant d'autres choses. Faut pas vous laisser faire. Alors moi ce que j'aurais fait à ta place c'est que je m'aurais signalé bloqué et j'aurais pas répondu. Ce sont des menaces techniquement en l'air hein, je comprends, enfin si le jour où quelqu'un tue des parents pour un mot de passe de Movistar Planet c'est que le monde va à l'envers hein. Mais si vraiment ça te travaille et que t'arrives pas à passer à autre chose, c'est que vraiment ça te tracasse, essaye peut-être d'en parler à tes parents. Bon, pas sûr qu'après tes parents te relaissent aller sur Movistar Planet parce qu'ils vont se dire « mais il y a des gens trop chelous sur ce jeu ». Mais après, franchement, ne crains pas, bloque, signale, ne réponds pas. Avant hier soir, on m'a piraté comme ça direct. Je me faisais un petit relooking et quelqu'un me décode de mon compte. J'essaie depuis de retrouver mon compte, mais je n'y arrive pas et ça m'énerve. Le pire, j'ai rien fait, j'étais vite niveau 15 et j'avais plein de Starcoins. Alors si vous voulez récupérer votre compte, utilisez votre email. Tout simplement, utilisez votre email, changez le mot de passe avec votre mail et voilà. C'est pour ça qu'il est très important pour vous d'associer un email à votre compte et bien sûr de ne pas mettre le même mot de passe sur votre compte MSP et sur votre email. Et on va passer au dernier message avant de clôturer cette vidéo. Situation aide, si tu veux parler pendant le couvre-feu, il suffit d'aller sur Blockstar Planet. Ah bah j'essayerai. Situation bug, quand je me connecte, les movie stars n'ont pas de visage, il n'y a que leur cou et leur maquillage, et le reste dans les forums, les gens de cases où on doit voir le visage de la personne, et bien chez moi ça m'arrive que le carré soit tout blanc. Alors ça arrive déjà beaucoup en ce moment, surtout que je reçois énormément de screens justement de personnages qui manquent des bouts de visage, des bouts de corps, qu'il y a ça qui s'affiche et que ça s'affiche pas, etc, etc. Ça arrive très très souvent ces derniers jours, ces derniers mois même. Et après la personne met 15 milliards de citrons à charger sans profil. Pas mal. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah n'hésitez pas à aller voir le profil de l'astronaute, ça m'a bien plu cette histoire. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao ciao.